Bonsoir. Mademoiselle Chauny, c'est ça? Ça va, tranquillou? Ça va et toi? Ça va bien. Ouais. On est là, quoi. Mm-hmm. Voilà, au premier rang. We love jam. Au premier rang, toujours. Ah, le kiff total. Ouais, t'as pas pris de prise de son? Si, bien sûr. Si, ah, si. Tu peux les sons en durer, pas de soucis. Ok, ouais, y'a pas de problème. Ok. Donc, toi, tu présentes une. Tu animes une radio? J'anime une radio, enfin, j'anime près du live. D'accord. Près du live, en fait. Mm-hmm. C'est une émission qui te permet de découvrir les concerts d'une autre façon. D'accord. De pouvoir apprécier les gens qui sont du bon son, bien lourd. Mm-hmm. Et de voir que voilà, les artistes ils sont pas si différents que nous. Et voilà, que du bonheur en live. D'accord. Donc, on aura la primeur du live de Calife prochainement. Oui, on aura la primeur du live de Calife. J'ai eu la primeur de Amadou récemment. Un gros kiff. Et Nathan Jean aussi la semaine prochaine. Donc, ça a déjà été annoncé sur Music for Live, bien sûr. Okay. Pour que les auditeurs savent que voilà, le Cariatide, c'est le rendez-vous à pas louper, hein, tous les lundis. Hein. We love jam. Okay. We love music. Avant l'ennui de la tombée. Déjà, moi, je t'ai découvert à la fête de la musique, donc c'est une big révélation. Et là, retour au Cariatide, maintenant à l'intérieur, parce que la dernière fois, c'était l'extérieur. Tout à fait. Et là, c'était extrêmement chaleureux ce soir. Ouais. Oui, effectivement, le public était super réceptif. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais voilà, on a su groover, vibrer ensemble et j'ai passé un moment extraordinaire. Merci au public de Cariatide, encore une fois, public number one. Et ouais, vraiment, on a passé un super moment. J'aime faire participer le public, donc là il était enchanté. Apparemment t'étais assez ému de voir que sur la fin on connaissait tes morceaux. Oui. Surprenant que ça? Oui, bien sûr c'est le but, mais sauf que j'ai commencé ça il n'y a pas si longtemps et en fin de compte ça m'a surpris en fait que... Parce que moi je suis un genre de chanteur de chambre. Ça fait longtemps que je chante dans ma chambre. Et donc je suis sorti il n'y a pas si longtemps. Et de voir les gens à tel engouement autour de mes chansons, c'est bizarre, mais c'est très plaisant. Dans tes chansons, on sent que voilà, c'est très coloré, c'est très vivant. Et paradoxalement, tu parles quand même de souffrance, tu parles à un moment de femme qui se prend des coups, quoi. Enfin, on sent voilà, beaucoup de fragilité.
Oui, bah si tu veux, mes chansons, c'est retrace ma vie, donc voilà, c'est ma vie d'homme, donc en gros, j'y mets tout ce que je ressens, mais je me sers aussi de mon entourage, donc ça veut dire que mes chansons sont pas forcément, parlent pas forcément à 100% de moi, mais c'est tout ce qu'il y a dans mon entourage, en fait. Donc c'est assez divers, et voilà, c'est pour ça qu'on peut retrouver des chansons comme Nom Lassa, qui sont pas forcément un tableau à 100% de moi, mais qui sont effectivement un peu tirés de moi, parce que je me sers toujours de ce que j'ai en moi pour pouvoir écrire, mais j'arrive aussi à capter ce qui se passe dans la vie des gens, de mes amis, des proches, etc. Donc je mets tout ça dans des chansons, donc ce sont en fait des histoires. Mon mal est dérivé. Tout ça, j'ai pardonné. Tout sacrifice, on fait bail. Pour qu'il y ait l'autre, qui coulait en bas pour moi, quand il ouvrait ses yeux. Qui plus espoir, vrai mal, papa, il porte. Qui te lit à vouer, qui j'en ou pas compté. C'est un jour éclairé, n'est-ce que réalisé, que nom la salle a mérité. Tous les textes sont écrits de toi, on a compris. Donc le répertoire s'enrichit, bon. Donc il y a un album qu'on va pouvoir peut-être commencer à se profiler. Je sais qu'on en avait parlé déjà pour en juin. Ça se prépare tout doucement, en tout cas. Alors oui, ça se prépare tout doucement, effectivement je peaufine énormément parce que je suis très perfectionniste et j'ai envie vraiment d'offrir aux gens le maximum, le mieux du mieux. Donc je travaille énormément avec mes musiciens sur les arrangements, etc. Et pour le moment, les chansons vont sortir titre par titre. Normalement, il devrait y avoir 3 chansons qui devraient sortir jusqu'à juillet 2013. Et puis voilà, moi j'avance, voilà, comme je dis dans une de mes chansons, mets un pied devant l'autre et le ciel fera le reste. Donc j'ai confiance et j'avance et puis on verra bien ce qui arrivera. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'est un petit peu perdu. Non pas que quand on composait en français, c'était mauvais. Simplement, moi, et c'est ce que je dis, le créole est une belle langue. C'est une langue très forte. C'est une langue qui a de la soul, c'est une langue qui a de l'âme, c'est une langue qui a un vécu, qui a une marque historique. Voilà, moi c'est ma langue maternelle, donc c'est elle qui vient spontanément quand j'écris, parce que c'est celle que j'entendais aussi quand j'étais plus petit, dans les soirées, que ma mère faisait, etc. Et donc elle a un lien très très symbolique, et voilà, je trouve qu'elle est simplement pas assez représentée, alors que c'est une langue qui a du groove et on peut la faire swinguer autant que l'anglais. Donc des fois, on va chercher loin alors qu'on a tout ce qu'il faut devant nous. Une présence importante à
à part le fan club qui était opérationnel, il y avait la présence de la maman. Oui. Aller la voir tout à l'heure. Effectivement. Alors elle n'est pas venue exprès pour ça, mais c'est vrai qu'on ne se voit pas souvent puisqu'effectivement elle est aux Antilles, en Guyane plus précisément. Et donc il me déconcentre là. Et donc effectivement, elle est venue, elle en a profité pour venir assister à un de mes concerts et c'était la première fois que ça arrivait. Donc j'étais très très ému effectivement, voilà, parce que votre maman vient pour la première fois vous voir jouer. Ça a tout d'un moment émouvant et voilà, je suis très content parce que ça s'est superbement bien passé et elle a apprécié et c'est ma première fan, donc je suis très très content de l'avoir satisfaite et qu'elle ait passé un très bon moment, voilà. Et moi j'ai une petite question pour tous tes fans justement. Alors est-ce que tu es célibataire ou pas? Parce qu'on sait toujours pas. Ça c'est la question qui revient. Les femmes veulent savoir. Alors tu sais quoi? Il y a un de mes musiciens qui a répondu. Une réponse de diplomate ou quoi? Il a répondu une très jolie réponse. Il a dit ça dépend des soirs. D'accord. Bon. Okay. Non, c'était pour rigoler. Non, en fait, je risque de décevoir quelques fans. Non, je ne suis pas célibataire. D'accord. Eh oui. Ok. Jadis jour, lève-moi parler, quitter ta travail là. Occasion de t'entendre à la jam peut-être. Ça marche, pas de soucis. Ouais, j'ai vu à tes acolytes. Oui, il y a encore plein d'artistes qui sont là. Ouais. Et donc effectivement, je pense qu'on va jammer un petit peu parce que là j'ai encore plein d'énergie à donner. Donc il y a des chances que je me retrouve très encore bien sur scène. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Peace. Improvisation, vous et nous. Ouais, bien, super, ok. Bah attends, viens voir deux secondes, t'en as pensé quoi du concert de Khalif? Alors écoute, ah merde, il est là. Vas-y. Super bien, franchement. Ouais. Ouais, c'était bien. Mais dis la vérité, hein, c'est pas parce qu'il est à côté de toi. Hein. Tu vois. J'écoute. Si c'était pas bien, tu peux dire. Non, franchement, j'ai kiffé. Nada más para contar.
Charles, les Cariates, les Cariatides, okay. Rue Palestro dans le 3e arrondissement, donc yes. 2e maintenant, ça a changé depuis 47 ans. Et voilà, donc présente-toi. Voilà, ce soir, on se présente comme ça, hein, c'est les Jam Sessions, mm-hmm. We Love Jam. Je me présente dans le sens où je m'occupe de la prog de Cariatides. Mm-hmm. Et j'observe ce soir un petit peu l'événement. C'est quelque chose de fabuleux parce ouais. qu'il y a beaucoup de bonnes vibrations, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de bonne humeur, il y a mm-hmm. beaucoup de talent. C'est quelque chose de formidable ce qui se passe et je tiens à le souligner parce que c'est un événement rare. Je pense qu'il y a très peu de lieux, notamment, je vais pas faire de la pub non plus gratos, mais il y a très peu de lieux qui donnent une scène comme ça, un petit peu ouverte, où on peut justement jouer, faire se faire plaisir sans pression, il n'y a aucune pression. Mm. On est là pour jouer, pour se faire plaisir. Et c'est, voilà, c'est un super événement. On va compter tous ensemble pour qu'ils soufflent. À la une. À la deux. Lâche pas. Fais pas tomber. À la trois. Oh là, c'est bien, c'est la moitié pour moi, le reste pour vous. C'est pour énorme. On va t'entendre ce soir ? Mais j'espère, oui. Ok, ok. Très bien. Tu es venue avec une amie ? Non, je viens de rencontrer cette jeune demoiselle. Ah, et elle aussi, elle a loupé. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Alors elle ouvre l'atelier de théâtre, mademoiselle. C'est vrai ? Une école de comédie musicale. Ok. Et elle danse. Bah dis donc, t'es une artiste. La première fois que je viens. Artiste complète. On chante, elle danse, ouais. Ça. Bien, bien. J'aime ça, bien les trois. Tu la connais ? Bah oui, je la connais. Tu connais toujours. Oh là là, c'est fou ça. Je connais beaucoup de gens. Aïe, aïe, aïe. Je suis un spécial RP. Ok. C'est Kirat qui m'a invité. D'accord. Je suis là. Donc c'est la première fois que tu viens et t'en penses quoi pour l'instant de ce que t'as vu ? Ou entendu ? J'ai vu, ça me fait bien, je me sens comme chez moi. Mm-hmm. J'ai envie de revenir. Ouais. Et puis, non, cet esprit de partage, ce côté artistique et tout, rien de mieux pour évoluer, quoi. D'accord. C'est cool. Bienvenue parmi nous. Maintenant, tu te caches. Bon alors vous revenez de l'atelier, c'est ça ? Oui, oui, oui. Avec Kired ? Avec Kired, ouais. Vous avez bien travaillé ? Super, c'était ouais. génial. Ouais. D'accord, donc tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs, ouais. avec Kired, Stepping Jam, c'est ouais. génial. Ok, ok. Voilà. Et donc vous allez nous faire un petit truc tout à l'heure ou pas ? Ouais. Non ? Moi c'est... Non. T'as pas encore... Sans le truc, c'est ma première jam, donc... D'accord. Voilà. Okay. Mais ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Oh, mais on te prendra la main et tu viendras sur... Voilà. Vraiment, faut me pousser, hein. Ouais, ouais, faut te pousser. Vraiment falloir me pousser, ouais. Ok, voilà. Comment tu t'appelles déjà ? Margot. Vu que je suis pas vraiment musicien, j'ai inventé un petit concept justement que je vais partager avec vous ce soir. Qui est donc le théâtre avec de la musique, ok ? J'ai ramené quelques petits textes, vous me direz un petit peu à la fin ce que vous en pensez. Je vous dérange pas, hein, ça va ? Mais ça va aller vite, je vais vous faire mon petit texte et là vous allez péter un câble. Ok, donc je vais vous interpréter une petite tragédie. Je vais demander aux musiciens si vous êtes là, si vous voulez bien jouer un petit truc. Tragédie alors. Tragédie quoi. Est-ce que si je parle comme ça, on entend ? Ouais ! Ok. Oh ! Oh ! Tu me sens? Hey! Oh. Touche-moi! Je suis là!
s'il te plaît, réponds-moi. Eh oh, un geste suffira. Eh oh, est-ce que tu m'aperçois? Eh oh, 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 oh. Ça fait longtemps qu'en bas de ta fenêtre, j'appelle bêtement, mais personne ne m'entend. Fais juste un signe, montre que t'es là. New York, c'est comment? C'est génial. Ouais. Il manquait plus que toi. Ah bah ouais, bah ouais. Et t'as eu l'occasion de faire des clubs de jazz ou des trucs comme ça là-bas? Bien sûr, ouais. Ouais. Et alors, comment c'est par rapport aux Cariatides? Et tu sais quoi, quand j'ai entendu Calif il y a une heure de cela, j'ai cru qu'on était dans un club de New York à un moment. Sérieux? Ouais. Ah quand même, bien, bien. Donc on est au niveau alors? On est au niveau et même plus que ça. Moi c'est Rico X exactement, yes. Zulu King, parti de la Zulu Nation, ici présent. Voilà, ce soir je suis venu directement remettre le collier à Dorea 6D, mm-hmm. qui est parti maintenant de notre groupe, on va dire. Ouais. Ce n'est pas un club, ce n'est pas une secte non plus, c'est un genre de confrérie, mm-hmm. où les gens, depuis 1973, transforme le côté négatif en côté positif, mm-hmm. et voilà, ça c'est la Zulu Nation, c'est le peace, unity, love et having fun, et non pas comme sur les t-shirts qui sont écrits, il y a marqué peace, love, unity, having fun, c'est complètement faux, ça c'est pas la vérité, la vérité. D'accord. C'est peace, unity, parce que ça commençait par la paix, l'unité, mm-hmm. l'amour, et savoir s'amuser tout en respectant des règles bien précises. Ok. Voilà. Ça, c'est la Zulu Nation. La Zulu Nation, c'est 1973, fait par Trian Bata, qui a décidé, après sortir de gang, de transformer le côté négatif en positif.